Alors, je m'appelle Cécile Chaudezaigue. Je suis née à Paris, enfin à côté de Paris, à Versailles. Alors, ce qu'on aimerait pouvoir apporter, nous, c'est aussi un petit brin d'écologie, je dirais, parce qu'on a quand même ce que j'appelle l'or chaud, qui est l'eau chaude, qui, il y a quelques années, a été dévolue entièrement à l'établissement thermal. Mais qui est quand même pour une grosse partie rejetée dans le remontalou par diverses sources ou par les rejets de la station thermale à 40 degrés, à plus de 40 degrés, je crois. Et ce qui est quand même dommage à l'heure où on parle tant d'écologie, de ne pas réutiliser en fait cette eau chaude pour soit chauffer des bâtiments, soit créer de nouveaux logements où le chauffage pourrait être gratuit, entre guillemets, puisque ce serait la nature quelque part qui chaufferait les logements. Après, des possibilités, il y en a plein pour réutiliser cette manne en fait que la Terre nous offre. Et c'est vrai que je trouve un peu dommage qu'en 2020 maintenant, à l'heure où on parle d'écologie un peu à toutes les sauces, on n'arrive pas, nous, alors qu'on a un trésor local, à pas l'utiliser complètement. On est pour le coup hétérogène et même hétéroclite, je dirais, parce que beaucoup de ceux qui sont dans la liste viennent d'horizons différents. Il y a beaucoup de gens qui sont nés ici ou qui sont depuis très longtemps ici, puisque ça a l'air d'être quelque chose de très important pour les gens de Chaudes-Aigues, d'être représentés par des gens d'ici. Mais il y a aussi des profils un peu comme moi ou comme Sophie, par exemple, nous venons vraiment de l'extérieur. Et pour le coup, je pense que là où ça pourrait être un frein, c'est aussi une richesse, dans le sens où on a vu et on a participé à des choses, on a visité des lieux différents, on a rencontré des personnes différentes. Et ce qui peut marcher dans certains endroits peut fonctionner aussi à Chaudes-Aigues.